Salut, aujourd'hui, on va aller visiter notre petit tunnel des aromatiques. Bon, pas de choses miracles, hein, bien sûr. Nous sommes au mois de fin octobre, début novembre maintenant. Et on y va tranquille. On va regarder ensemble, parce que là, j'ai pas fait mon petit tour ce matin. Donc, on va regarder ensemble s'il y a des petits insectes, tout ça. Si ça, voilà, malgré les températures très humides, pucerons, à voir. Allez, on va faire notre petit tour, c'est parti, allez, je vous emmène. Bon, puisqu'on est là, vous voyez, là, on va regarder comme ça, vous voyez l'ensemble du tunnel, donc toujours ouvert, hein, bien sûr, là, pour l'instant, même s'ils annoncent un peu de froid, mais bon, ils avaient annoncé plus bas, puis en fin de compte, c'est remonté un petit peu, donc à voir. Bon, là, ce qui est très important, c'est ici, ciboule. D'habitude, il y a des pucerons, puis vous voyez que la flotte, et les pucerons, il n'y en a pas. Donc comme ça, hop. Bon, là, les petites boutures qu'on avait fait ensemble de thym citron, bon, il y en aura assez pour l'année prochaine, hein, parce que j'en vends pas des quantités. Bon, là, ce que j'observe maintenant, c'est la reconnaissance de mauvaises herbes. Ça pousse. Hein. Vous voyez ça? Cochonnerie. Là, je retire ça. Là, l'estragon que j'avais tout nettoyé, il va falloir que j'y passe. Hein. Je vais passer une petite heure là-dessus. Bon, et même des orties. Balèze, hein, quand même. Bon, là, de ce côté-là, là, les petites verveines. Verveine, cette année, elle est belle comme tout. Bon, on avait vu les petits pucerons, quand même, sur celle-ci. Bon, je vais pas trop m'approcher, mais normalement, non. Non, il y a là. Je regarde. Et ça va, il y en avait plein au-dessus, et puis avec la flotte, ils sont partis. Hein. Donc voilà. Bon, toujours les petites jardinières, vous voyez, ça pousse ça. Là, toutes les semaines, je vous les montre. Voilà, là, ça commence à être sympa. Bon, on attend encore de retirer les géraniums, puis on mettra ça, on verra. Bon, là, les petites boutures de l'hélichrysum, la plante au curry. Bon, là, les anciens pieds. Bon, le Rhône, lui, normalement, il aura commencé à disparaître, mais comme il fait pas encore assez froid, il est toujours là. Mais incessamment sous peu, on verra que du bois. Là, c'est l'origan. Alors, origan vert, il commence à être aussi, vous voyez, encore les mauvaises herbes, ça pousse. Donc, il va falloir que je passe une bonne journée là-dessus pour nettoyer. Vous voyez, le problème est là. Bon, voilà. Là, là, c'est pas mal. Hein. Allez, on va faire le tour. Regardez. Et sauf tout ça, c'était. Hop. Là, on va faire le bébé, attention que ça coule pas. Voilà. Bon, là. Mosaïque sanguine. Bon, là, ça jaunit un petit peu parce que c'est un peu trop arrosé. Poireau perpétuel. Oseille rouge. Moi, à cette époque-là, le rouge, il est fort. Bon, là, puis là, c'est. Voilà, on fait notre petit tour. Je regarde en même temps que vous. Bon, là, ça va disparaître tout doucement. Pas trop de mauvaises herbes de ce côté-là, donc ça va. Bon, ça y est, ça perd son feuillage, tout ça, Outinia, tout ça. Hop. Donc là, c'est bon. Bon, ça, c'est pareil, ça va disparaître. Voilà. Ça aussi, ça va disparaître. Là aussi. Là. Aïe. Bon, on fera un petit tour complet. Bon, le persil, on s'en fiche. Là, je m'aperçois que ma ciboulette, elle est remplie de mauvaises herbes et remplie de pucerons. Voilà, il y a plein de pucerons là. Là, il y a les pucerons. Vous voyez? Bon, on va laisser, hein, je pense. Mais elle est remplie de pucerons. On va laisser, le froid arrive, donc ça va les nettoyer. C'est pour ça que je laisse ouvert. Bon, tout ça, là, maintenant, c'est moche. Hein, c'est l'oseille est pareil, il va falloir nettoyer un petit peu, parce que les mauvaises herbes arrivent. Voilà. Ça va. On va retirer ça comme ça. Voilà. Bon, là, on a vu tout ça. Voilà. Bon, là, c'est vide, hein, maintenant. Voilà. Là, le petit thym, il est propre. Le thym, il est pas mal. Il tient bien. Il est pas mal. Dernière petite semis qu'on avait fait, c'est pas mal, c'est propre. Bon, eux, ils ont besoin d'être rempotés. On repotera ça au printemps. Le feuillage était très pâle, mais on le remettra dans des petits pots de 3 litres. On va voir. Bon, là, le thym, il est pas mal aussi, là.
l'amant, tout ça. Bon, ça fait sans leur petit problème de chemin. Là, les derniers petits rempotages de verveine, l'ancienne. Donc là, c'est bien. Bon, vous voyez, on a fait un petit tour ensemble. Bon, ma petite récupération d'artichaut, enfin, je le plante, je vais le mettre, puis ça prend de la place. Ben voilà, bon, il y a un peu de soleil là, il se lève. Donc, bon, ben, le petit tour, on a fait ça ensemble, bon, un petit peu de puceron. Bon, ben, je vais me consacrer une bonne journée pour nettoyer tout. Et puis, ben, je prévois, c'est comme ça que je fais, vous voyez, tous les matins, je fais mon petit tour, je regarde, je dis, tiens, il y a ci, il y a ça, bon, hop, je programme, là, voilà. Je me dis cette semaine, une petite journée à consacrer à nettoyer. Alors c'est pas. Voilà, il y a quelques carrés, hein, extragons, des petites choses comme ça. Ça va aller, c'est pas méchant. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, il faut surveiller. Parce que on sait jamais si je laisse toutes les mauvaises herbes. Bah après, alors à cette époque-là de l'année, c'est pas très grave. Mais surtout pour le printemps. Si le printemps, bah, il y a toujours eu de l'herbe, bon bah ça va empêcher. L'estragon de pousser mieux, on va dire, ça va le concurrencer dans son petit godet. Alors il faut le faire, là, il faut le nettoyer, puis qu'il reste propre tout l'hiver. Voilà, et ben j'espère que ça vous plaît ce petit tour. Allez, ben, à la semaine prochaine, on refera notre petit tour ensemble. Maintenant, ce que je fais, j'irai pas voir avant, on découvrira ensemble qu'est-ce qui se passe. Allez, à la prochaine, salut, merci.